D'abord, il y a Nico, qui est roi par élection, qui habite le château, qui a la direction, monsieur, de tout l'État, lui qui décide de tout, lui qui souvent ne voit pas que les gens sont à bout, lui qui ne pense qu'à lui et qui se prend pour le roi, qui dort bien toutes les nuits dans ses draps en satin, mais qui se lève matin avec l'idée de génie qui va sauver la France et surtout ses amis issus de la finance qui volent sur les vagues. Faut vous dire, monsieur, que chez Nicolas, on ne prend pas, monsieur, on ne prend pas. On donne. Et puis, il y a les autres, le PS de l'opposition, qui n'ont pas vraiment d'idées, qui comptent leurs affidés, qui par de petites phrases défendent leur position, qu'on choisit Lamartine pour gérer cette usine, enfin, il y aurait Combine, et que c'est pas fini, et qu'il y a des petits courants avec Vincent Payon, avec Benoît Hamon, avec Jean-Paul Huchon, qui souhaitent un président. Ségolène, pas du tout. Faut pas nommer des quiches pour arriver au bout. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne veut pas, monsieur, on ne veut pas. On triche. Et puis, il y a les autres. Besancenot qui ne dit rien ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule de prof, y a Bayrou et son doigt entre l'arbre et l'écorce. Lui qui est plus vraiment droit et quand même si gauche. Pour croire au centre droit. Et ça fait des grands pchit. Et ça fait des grands pchit. Et puis il y a Le Pen, qu'on finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'il crève, vu que c'est lui qui a les fennes, et qu'on n'écoute même pas ce que les Verts nous glosent. Pour vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne compte pas, monsieur, on ne compte pas. On cause, et puis y a DSK qui est beau comme un soleil et qui a fait pareil que Delors autrefois. Même que je me dis souvent qu'il y aura une élection avec des tas de mallettes, avec presque pas de sûr et qui sera président, qu'on va enfin le remettre et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'ils veulent pas de DSK, que lui est tout juste bon à niquer des nanas, parce qu'ils font pas, et même les présidents sont très loin les chercher. Je peux citer des noms, enfin ils ne veulent pas. Parfois, quand je le vois, j'aime bien le comparer à notre président. Je suis sûr qu'il l'aura, je suis sûr qu'il passera. Alors pour un instant seulement, alors moi je le crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que le Nicolas, monsieur, on ne le bat pas, on ne le bat pas, monsieur, on ne le bat pas. Mais il est tard, monsieur, je vais me pendre chez moi.